Dimanche, sur sa pelouse, le Saint-Paul Sport Rugby, premier de sa poule, recevait les Rouges de Mugron, cinquième, un derby landais avec un air de revanche pour les Saint-Paulois défaits au match aller. On avait aussi à cœur de se rattraper du match aller où je pense a été émaillé de chamaillerie. Et on sait très bien que Mugron là-dessus, ils ont un jeu assez minimaliste de jeu d'avant, mais après ils le font très bien. Donc aujourd'hui on voulait leur montrer quand même que si on était premier, c'était pas pour rien, tout en étant humble, hein, mais on voulait vraiment marquer les esprits, quoi. Ce qu'ont réussi à faire les Saint-Paulois en inscrivant deux essais transformés en à peine un quart d'heure de jeu. Je suis content du boulot qu'ont fait les joueurs. Toute la semaine, ils étaient un petit peu tendus. Et je pense qu'avec Lolo, on leur a dit que la solution, c'était par le jeu. Il n'y a que là où on était bon et qu'il fallait surtout sortir des zones de près. Je pense qu'on a réussi aujourd'hui. Avec une pénalité en plus de part et d'autre, le score à la mi-temps était de 17 à 3. Au retour des vestiaires, en seconde période, les bleus et blancs ont de nouveau aplati dans l'embut adverse par deux fois, alors que les mugronnais ont échoué sur la ligne. Score final 31 à 6 et un bilan positif pour le SPS Rugby, descendu de fédéral de l'an passé et toujours très attendu par ses adversaires. Toutes les équipes jouent à 120% contre nous, donc les fois où on ne se trouve pas bien, où on n'est pas bien, automatiquement ça ne marche pas. Hein. Donc ça les garçons ils le savaient depuis le début de la saison, mais petit à petit ils ont repris confiance. Et quand on joue bien comme ça va, mais après c'est vrai qu'au niveau de la conquête on a encore du travail, hein. Des fois on se perd un petit peu en touche, mais autrement dans l'ensemble il y a eu de bons enchaînements. Moi je suis quand même très content aujourd'hui de l'ampleur du score déjà, et puis d'avoir un bonus offensif aujourd'hui, ça c'est bien. Cette victoire bonifiée permet à Saint-Paul de conforter sa première place de la poule à 4 journées des phases finales, tandis que Mugron se retrouve désormais 6e.